pays. Et monsieur a une bonne connexion avec des narcotrafiquants colombiens et équatoriens. Oui, selon ça qui dit dans le document, parce que transactions ont remonté en Colombie, Équateur, et ceci pas oublié. Nèg sa ou gen pile même genre avec on nèg tako Dimitri Yor, ça veut dire que ou gen connexion avec un pile moun nan Colombie ainsi que Équateur et un pile l'autre pays. Et pa konnen mais ou te ka remonter dans l'histoire tout pour vinn garder à qui facilité colombien habitué à rentrer en Haïti jusqu'à ce que colombien cité nan touye un président de la République. En tout cas, son bail grave, mais faut me rappeler pays a c'est constitution qui dit lorsqu'on est au bon poste de responsabilité et pour d'accord pour trahir pays ou eh ben gen sentence qui réservé pour ça sous quoi mentor ali dans article 21 constitution pays a 1987 mais qui ça le dit. Mais qui lè yon haïtien fait crime trahi pays. Lè li rentre dans l'armée yon pays étranger k'ap goumen contre pays contre République d'Haïti. Lè la travail pour yon pays étranger k'ap fait la guerre ak pays d'Haïti. Lè li vole bien l'état qui sous compte li étant qu'il n'a yon place dans l'état. Est-ce qu'on équivalent nèg qui trahi pays? Ali article 21 constitution pour prendre nous compte qui va les nèg ak femme qui trahi pays et joue justice qu'a fait n'a saisi ou quantité nèg ak femme qu'a prend code pour trahison en violation de l'article 21 de la constitution. Oui, il dit que mais qu'il est un haïtien fait crime trahi pays. Les li rentre dans l'armée yon pays étranger k'ap goumen contre République d'Haïti. Les la travail pour yon pays étranger k'ap fè la guerre ak pays d'Haïti. Les li vole bien l'état qui sous compte li étant li nan yon place l'état. Les li pas respecté constitution wa étant li en chargé pour faire respecter constitution wa. Est-ce qu'on équivalent ancien président ministre, sénateur, député, magistrat, directeur, secrétaire d'État, qui tape en bas code, qui tape en état, c'est parce que nous pas jamais respecter constitution pays, non? Nous pas jamais respecter la loi. Article 21.1, mais qui ça le dit? Léon haïtien fait crime trahi pays, yo droit condamné pour le travail à vie pour l'État. Avis qui donc tout temps l'a travail pour l'État, nan travaux forcés, sans yon pas jamais yon doit faire grâce. Ou est-ce qu'on ça qui passe? Mais pas un problème, non? Ça veut dire que, constitution a donc pas qu'être bagarre, mais qui pas jamais respecté. Et ça te fait, nèg fait ça ou vle, yon vin là, yon vol l'argent ou vle, yon fourre, mais yon nan caisse l'État, j'en ou vle, et personne pas qu'a dit en yon, parce que c'est yon qui a commandé, c'est yon qui a dirigé. Est-ce qu'une cap un pays pour nous faire ça? Non. Gayon le cap privé. Faut gagner des citoyens, faut gagner des haïtiens conscients qui assument responsabilité. Me songe un bagage professeur Franck Etienne dit avant-hier. Youn nan pi gros problème nous gen là ou bien youn nan bagage que nous ta doit faire pour nous ta sauver Haïti, faut nous ta prendre conscience. Et c'est bagage m'a dit chaque jour ici. Parce que si nous pas conscients de réalité, nous pas jamais sorti dans ça nous hier. Ça veut dire que pour nous sortir, faut nous conscients. Oui, nous avons une situation compliquée. Mais attention, on me dit ça. C'est pas parce que ma vie manger viande qui pral femme kembe ravette pour manger dans place Aransor. Aransor c'est Aransor, ravette c'est ravette. Ou bien doit même manger ravette ou son choix personnel. Mais folie manger viande pas femme tomber dans manger cricket dans manger zandolite dans manger ravette quand pour mener de monsieur devant tribunal et bon pièce à conviction que vous ba aujourd'hui avant que nous parler rentrer en onde là et mais à un moment donné c'est que en 2006 les nèg yo que yo pral dépasser délai
l'Américain ouais que on va dépasser délai pour mener monsieur devant tribunal là, on va déclarer monsieur fugitif. On va faire démonstration que on fait plusieurs tentatives pour arrêter monsieur avec la police haïtienne et puisque on pas capable et que monsieur en fuite, on déclarer monsieur fugitif. Pire encore, monsieur va faire une demande d'accès à l'information, donc monsieur va envoyer un formulaire que n'importe qui citoyen peut acquérir qu'un droit et envoyer. Et monsieur Bral remplit formulaire ça, il va demander qui ça y a gagné contre lui comme accusation. Et là, monsieur signe et formulaire là, il signe Guy Philippe Petit Petit fugitif NCIC. Donc, monsieur lui-même lui écrit que c'est fugitif lié. Donc, comme monsieur son nèg qui, d'après ça, moi, ouais, dans la recherche, moi, son nèg qui remet fait théâtre, qui remet gonfler colis, eh bien, monsieur écrit ça, donc ça a tout bral aidé. Tribunal là pour dire que non, c'est pas un sénateur, c'est pas un monde que vous pas mené devant tribunal à temps, c'est un fugitif que vous mené là, by et tribunal là. Donc, à partir de ce moment-là, ça, puisque nous évacuons possibilité pour que cela tombe, si vous voulez, nous évacuons toutes les possibilités pour que cela tombe, eh bien, on y a là, avocat monsieur Bral, plaider pour monsieur, il va plaider non coupable. Donc, il va plaider non coupable, et à ce moment-là, c'est quand ça marche dans le système judiciaire américain, hein? Ou plaider non coupable, lorsqu'il plaider non coupable, la poursuite a l'obligation pour déposer des preuves. Et la poursuite, déposer des preuves. Avant de déposer des preuves, il y a un bagage, il y a un monsieur, est-ce que vous gagnez? Est-ce qu'on gagne un relevé bancaire? Et monsieur dit non, il n'y a pas un relevé bancaire parce que la transaction que vous demandez, il a remonté trop loin dans le temps pour l'y gagner. Et puis il dit, d'accord, pas un problème, mais il a déposé des preuves. Il a déposé des preuves de transaction que monsieur fait. Et puis là, l'avocat, monsieur Okunia, là, Bral Chita, il a dit, qui ça il a fait pour éviter monsieur prison à vie? Parce que, comme dit-vous, que accusation contre Guy Philippe au départ, c'est une accusation de importation de cocaïne aux États-Unis. Deuxième accusation, hein, c'est transaction de plus de 10 000 dollars dans vente de cocaïne aux États-Unis. Et troisièmement, c'est blanchiment d'argent dans le cadre de narcotrafic. Donc, ça, on va le faire, c'est que l'avocat va négocier avec la poursuite pour Guy Philippe ouvert ventli by tribunal là pour l'expliquer crime yo, pour lui expliquer qui Jean crime na yo organisé et en échange pour nia là yo bral un peu plus complaisant avec monsieur. Donc comme dire que accusation importation drogue là plus accusation transaction drogue là dans les deux cas résultat c'est prison à vie point final pas gain aucun demi mesure là ça si c'est sans là ça yo prend monsieur c'est prison à vie. Avocat, vous faites monsieur comprendre que si vous pas négocié pour lui, pour vous joindre en tant, c'est-à-dire que pour une vie devant le tribunal là, et mais si vous pas négocié en tant que ça, c'est prison à vie tout droit. Donc, Guy Philippe, Bral Chita, avec tribunal là, avec greffier, et monsieur Bral fait une déposition. Monsieur Bral fait une déposition pour lui expliquer qui gens que lui organiser crime, drogue, ça y est, en Haïti, de début des fin des années 90 début des années 90 jusqu'à début des années 2000. Et puis monsieur Bral dit voici mais en résumé mais qui ça monsieur dit. Monsieur dit que lui transféré 376 000 dollars qui était dans une banque en Haïti et dans une banque au Salvador que lui transféré dans un compte conjoint que le gagné avec madame ni aux États-Unis en Floride. Monsieur dit que les transférés 70 000 dollars par petite coupure de 10 000 dollars, par tranche de 10 000 dollars, parce que en bas de 10 000 dollars, il risque américain pas faire vérification. Monsieur dit que avec l'argent ça, que l'ité prend la drogue là, eh ben, l'ité acheté une caille dans Broward County. Monsieur dit que Colombien, qui était bal, travaille ça, payé jusqu'à 3,5 millions de dollars. Monsieur dit tout que Jobly s'était assuré que cargaison de drogue sortit Colombie et que yo bien arrivé à Haïti.
pendant que Haïti pour lui bien assurer que en sécurité et lui même job li tout c'était assurer que cargaison a parti vers la Floride. Monsieur dit que pour le faire ça, il fallait qu'il payait des policiers haïtiens et même des officiers